C'est une route dont on parle beaucoup moins que celle de la Libye. Et pourtant, les migrants continuent de passer de la Turquie vers l'Italie. Alors, ce qui est étonnant, c'est en fait le mode opératoire. On ne parle plus de bateaux gonflables, de pneumatiques, non. Ils sont en général à bord de petits voiliers de tourisme. François Bonnodet, bonjour. Vous êtes à Catane, en Sicile. Et c'est de ce port que partent souvent les bateaux militaires italiens. Oui, bonjour Laurent, je me trouve effectivement sur le port de Catane en Sicile, à l'est exactement de la Sicile. Pourquoi ? Parce que d'ici partent les bateaux des gardes des finances. Les gardes des finances, c'est un peu l'équivalent de nos douanes. Et donc ces bateaux, vous en apercevez un derrière moi, eh bien vont aller sauver les migrants qui se trouvent en mer. Alors la particularité de l'endroit où je me trouve, c'est que les bateaux partent ici vers la route turque, vers la route grecque. C'est-à-dire que ce sont des migrants qui viennent de Turquie ou de Grèce. On en parle un peu moins. Ces temps-ci, depuis plusieurs mois maintenant, on ne parle que de la route de Libye, mais cette route existe toujours. Nous sommes montés à bord de ce bateau que vous voyez ici. C'est un bateau extrêmement puissant. Il a des moteurs de 7000 chevaux. Il peut aller à presque 40 nœuds, ce qui lui permet d'être extrêmement efficace dans les sauvetages. Regardez le reportage que nous avons réalisé pour Télématin avec Florence Crimon. À pleine puissance, la vedette militaire italienne et ses 15 membres d'équipage patrouillent à l'est de la Sicile. Ils sont à la recherche de bateaux transportant des migrants venus de Turquie. Premier contrôle de la journée, ce vieux cargo immatriculé au Togo et enregistré au Monténégro. La vedette tente d'entrer en contact avec lui par radio. 547 comunica. C'est possible la chiamata via Tango. Finalement, au bout de longues minutes, nous venons d'être informés par la salle de contrôle à terre que ce navire est en règle. Nous le laissons donc repartir. Il y a un an et demi, la Turquie s'est engagée à ne plus laisser les migrants prendre la mer. Pourtant, ces militaires italiens continuent à être vigilants dans le secteur. La zone Grèce, Turquie, mer Ionienne, Sicile connaît un trafic intense. L'attention de l'équipage se porte ensuite sur ce voilier. Il bat pavillon américain. Il pourrait transporter des migrants. La particularité, c'est que les migrants embarquent sur des voiliers avec des pavillons de complaisance. En général, ce sont des Ukrainiens ou des Russes. Et les migrants, eux, sont des Syriens. Il y a quelques semaines, les hommes de la garde des finances interceptent ce voilier avec 90 migrants à bord. Cet autre, avec une cinquantaine de personnes, en majorité des Afghans, entassés depuis 10 jours dans les minuscules cabines. Ce jour-là, le bateau en question est un vrai voilier de tourisme. Les hommes de la garde des finances poursuivent leur patrouille sur la route de la Turquie. Alors, quelle est la situation, François, actuellement au sujet des arrivées de migrants? C'est globalement en hausse, en baisse? Quelles infos? Alors pour être franc, Laurent, je ne sais pas répondre à cette question et je ne suis pas sûr qu'il y ait en Italie beaucoup de monde qui puisse y répondre. La seule chose dont on soit certain, c'est que cet été, le nombre d'arrivées de migrants par la route libyenne a considérablement baissé, quasiment disparu, en particulier en juillet et en août. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un accord entre Rome et des milices qui se trouvent en Libye. Ensuite, à la mi-septembre, le nombre de départs par cette route a de nouveau augmenté. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, en particulier parce que les ONG qui faisaient des rapports extrêmement précis sur leurs activités ne sont quasiment plus en Méditerranée. La conséquence, eh bien, c'est qu'il y a des naufrages dont personne n'est au courant. La semaine dernière, par exemple, 100 personnes sont mortes en mer après avoir dérivé pendant une semaine. Aucun navire ne s'était rendu compte de la situation. C'est donc une grande confusion qui règne sur la migration en Méditerranée. Merci beaucoup, François, pour toutes ces précisions.